goes there, lui qui peut le faire avancer. Quand il s'agit de toi, là, tu es nu, dans le français, il va dire nu, il te met derrière. Quand nous, on aime les gens bizarres, bizarres comme nous, bizarres. Et il a dit, monsieur, tu peux me prêter 100 francs. Amen. Amen. Alléluia. Il faut que Dieu vous donne des rencontres. La journée est faite pour des rencontres. Lundi est fait pour des rencontres. Il y a des gens que Dieu doit susciter pour moi. Alléluia. Amen. Et ça, c'est très important. Vous devez s'aimer la chose. Amen. Amen. Et les portes commencent à s'ouvrir. Moi, généralement, quand je finis de prier, j'utilise le psaume 23. Les gens disent, ah, le psaume, c'est pas péché. C'est pas ni, c'est pas diabolique. Le psaume est biblique. C'est des paroles. Pour quelqu'un, c'est pas ce qu'on appelle la prière prophétique. C'est-à-dire, à la, basé sur les références bibliques, et tu pries. Quand je dis l'éternel est mon berger, vous savez que plus tu prononces les choses, plus tu déclares les choses, c'est ce qui t'arrive. Je dis l'éternel est mon berger, je ne monte derrière. Amen. Amen. Comme l'éternel est mon berger, je répète ça chaque jour, Dieu est obligé de me bénir. Vous comprenez? C'est pour ça que ne soyez jamais négatif. Quand vous marchez avec quelqu'un qui est tout négatif, étudiez une personne. Quand elle te dit non, je sais que ça ne va pas marcher, ou je sais que non, tant, je sais que non, comment ça te loigne la personne? Vous devez marcher des gens positifs. Parce que ce qu'un homme pense, c'est ce qu'il arrive. C'est ce qu'un homme pense, c'est ce qu'il arrive. Amen. Or, vous savez que la foi est basée sur ça. Notre chrétienté, c'est basé de la foi. Sur la foi. La spiritualité, c'est une base de la foi. Alléluia. Amen. Vous devez commencer à déclarer les choses. Vous devez croire que la journée sera pour vous une journée de bénédiction. Ne sortez jamais de votre chambre, de votre maison sans prière. Amen. Sinon, vous êtes des hommes morts. Amen. Un petit comme ça va te mettre sous voiture. Un bébé. Quand il y a comme ça, tu es en bas de grumier, ça t'écrase. Brah. Ça te dit un problème. Et à cause d'une personne qui est sorti chez dans le cas, il tue tout le monde en avant. Il a dit aux gens, moi, je monte l'avion. À cause de moi seul, Dieu sécurise l'avion. Amen. Parce que je suis important pour le royaume de Dieu. Amen. Je suis fils du royaume. Et mon fils, si quelqu'un était programmé. Mais dès que j'emprunte l'avion, à cause de moi, le sorcier est obligé de le lâcher. Parce qu'il y a une personne importante. Parlez au ciel. Amen. Amen. Permettez que le ciel vous reconnaisse comme enfant. Sur ça, je n'ai pas peur. Parce que je sais que je suis fils de Dieu. Je suis convaincu que je suis enfant de Dieu. Ce n'est pas moi qui ai voulu. C'est Dieu. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais c'est moi qui vous ai choisi pour vous établir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que le Saint-Esprit rend témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je suis convaincu que je suis enfant de Dieu. C'est ça qui compose avec le ciel. Je parle à tout ce qui est spirituel parce que j'ai déjà le pouvoir. Or, ne doute pas le pouvoir. Jésus-Christ ne quittera pas le trône. Le ministère qu'il exerce dans le ciel, il est intercesseur. Il intercède pour nous. Il ne venait pas faire la délivrance. C'est nous qui avons le pouvoir de la délivrance. Vous appelez Jésus. Jésus vient délivrer les gens. Il a plus ce qu'il. C'est lui qui a. Il dit, je vous donne le pouvoir, allez. Il fait les nations des disciples, allez délivrer les gens. Vous allez appeler Jésus encore, qui est fatigué, qui est assis. Alors, il est roi, il est assis sur le trône. À mon nom, il dit, c'est maintenant mon nom que vous allez utiliser. Ce n'est plus moi. Il y a rien qui dit, Seigneur, viens délivrer les gens. Ah, vous aussi. Respectez le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Seigneur, il est fatigué. De chercher ce démon, pour venir, il va descendre. Là, Jésus va descendre. Ah. Il est roi, il descend. Bouh. Et démon, les enfants sont partis, sort. Ça allait, quitte, quitte. Non. Jésus a fini ça. Il a fini. Il nous a donné l'exemple. Il a fini le ministère. Il nous a donné le ministère. C'est nous qui devons exercer le ministère. Pas lui. Amen. Ça dit à mon nom, vous chasserez les démons. Il n'a pas dit, je vais délivrer les gens. Je vous ai donné le pouvoir. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on va bien saisir? Amen. Si tu commences déjà à commencer à prier à partir de l'aurore, tu vas avoir beaucoup de choses. Tu es surpris parce que, paf, tu es tombé malade un matin. Parce que tu as été programmé. Ça ne t'a pas surpris? C'était programmation. Le hasard n'existe pas. Quelque chose qui t'est arrivé là, tu as été déjà programmé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est ça. Ça a été déjà programmé. Prenez le Job. Le Job 38, à partir du verset 12. Nous allons finir par là et puis commencer à prier. Qui veut être béni? C'est tellement simple.
c'est-à-dire d'avoir de la connaissance spirituelle, maîtriser les choses. Alléluia. Amen. J'ai pris l'exemple, la dernière fois, il dit, quand vous voulez rentrer dans le monde tout, vous avez dit quoi à l'autre? Tout ça, c'est important. La transition, le monde juste s'en va. Hein? Et puis, il y a où qui appelle? Mettez le climatiseur, marche. Le août, toi tu dis quoi août? Oh août, vous voyez là, août il vient les choses, hein? N'est-ce pas? Comme vous voyez les gens disent, on l'a programmé en août, ou on l'a programmé tant. Août, tu viens, non? Tu ne dois pas m'avoir. C'est pour ça que regardez, les gens, le 31, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le 31, décembre, ils sont chauds. On quittait à l'église un peu pour les petits. Oh, je viens. Tu dis le gars. À 5 heures. Vous connaissez sous l'eau, la boule est sous là. Il est saoulé. Zancanez-vous. Je viens. Comment j'ai envie de. Janvier. On a fait le show. Tu commences janvier dans. Janvier. Qu'est-ce que tu cherches? Dans caniveau. C'est comme ça l'année. L'année sera bizarre. L'année elle est bizarre. Ah, et là comment tu as commencé l'année? La Bible dit avec Dieu, nous ferons des espoirs. Et lui, il écrasera nos ennemis. Les 7 jours de l'année, ne jouez pas à ça. Premier, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arrêtez vos conneries. Les 7 jours sont faits pour consacrer l'année. Si vous avez loupé ça, vous gâchez l'année. C'est pour ça que les hommes spirituels ne jouent pas à ça. Moi, chaque jour, j'en ai chez moi. J'en ai, c'est pas quoi? C'est pas bien frites et poulet. Combien? Frites, là, c'est quoi? C'est pas pondu, ils sont en train de pondu. C'est pas ça que tu peux manger. Je viens. Il y a des gens. Souvent, je sors, quand j'ai fini l'église, j'ai fait exprès. Je sors dans la journée. Tu vois, à partir de 2h, 6h, 7h, les gens qu'on attrape. Je viens. Ils ont oublié de crier janvier. Je lui, il a fait le show. J'ai mis la réservation des bars. Des boîtes de nuit, ils ont tout pris en compte. C'est janvier. En France, j'ai mis, mais die. Le gars, il est die. Ouais. Oh, le diable, vous m'amène sur ce terrain-là. Une année, vous démarrez une année comme ça. Vous attendez à quoi l'année? La malédiction. Alléluia. Amen. Ne jouez pas avec la spiritualité. Tu n'es pas béni parce que tu n'es pas un homme spirituel. Les gens ne donnent pas trop d'importance à la spiritualité. C'est pour ça qu'ils ne sont pas bénis. Amen. Amen. Or, c'est le spirituel qui fait l'homme. L'homme a un côté spirituel très important. Alléluia. Amen. Tu te dis, sans Dieu, je ne peux rien. Je dois associer Dieu à ma journée. Je dois associer Dieu à mon affaire. Je dois associer Dieu à quelque chose. Or, quand tu associes Dieu, la Bible dit dans le psaume 60, verset 14, avec lui, nous ferons des espoirs. Et lui, c'est que des ennemis après. Dès que tu l'associes à tes affaires, lui, il écrasera tes ennemis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 On y va. Le Job 38, verset 12. Écoutez très bien. Une seule fois dans ta vie. Une seule fois dans ta vie. Est-ce que tu as donné au jour l'ordre de se lever? Vous comprenez? J'explique. On dit tu te plains, non? Aujourd'hui tu te plains, non? La journée c'est pas béni. Est-ce que tu as une fois parlé au jour? Allons-y avec la version, lui c'est bon. Depuis que tu existes. Depuis que toi tu existes. As-tu commandé au matin? Est-ce que tu as commandé au matin? Allons-y. As-tu monté sa place à l'aurore? Est-ce que tu as monté la place à l'aurore? Est-ce que tu as parlé pour dire la journée? Mais tu te plains? Vous avez bien compris? Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. 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 On ne joue pas avec ça.
On ne joue pas. Qui va être béni? Tout dépend de là. Même les sorciers. Les gens sont délivrés. Vous voulez être béni? C'est nous, on cherche ça. Vous avez besoin de délivrance ou pas? C'est nous, on cherche ça. Non, mais délivré, non, mais béni. Vous devez béni. Comment? Vous avez fini, mangez vos sauces, appuyez, tout ça. Amen. Amen. Donc, vous avez bien compris? Ne jouez pas avec la prière. Frère. Or, vous savez, la spiritualité aura de la négligence. Vous avez bien compris? Vous savez, vous êtes. C'est les chouchous. Moi, je n'ai jamais l'aura. Et doucement, le diable va commencer à t'avoir. Il dit, ok. Or, la négligence, la spiritualité aura de la négligence. Les musulmans, il est vieux, il mange un cadre. Quand tu as le musulman qui est Allah, le vieux, un dregueba, on appelle ça dregueba, le gros bouffe, un Siri Daga, touche, il fuit, il va prier. Là, si tu veux, tu vas avoir un contrat. Je n'ai pas laissé que tu vas avoir un contrat. Si tu sais que demain, tu dois signer un contrat d'affaires avec quelqu'un, n'est-ce pas? À partir de 1h du matin, commence à régler le problème. Amen. Amen. Tu as un contrat avec un monsieur dans une entreprise. Il va te prendre. Vous avez discuté, n'est-ce pas? Vous avez beaucoup parlé de ça, tout ça. À partir de 1h du matin, commence à traiter le problème. Vous savez, c'est à partir de 1h du matin que les sorciers commencent à appeler notre âme. À partir de 1h, les choses commencent à se. Le mouvement commence à se poser dans le spirituel. Quand tu as un programme d'affaires à 1h du matin, commence à parler à l'homme. C'est-à-dire le monsieur que tu dois rencontrer là. Tu fais comme si tu étais avec lui et puis tu dis demain, toi, monsieur Kwame, Kwadio, attends, si tu me vois demain, tu ne refuses pas mon dossier. Le contrat là, tu dois signer. C'est bouclé. Matin, dès qu'il te voit, il te donne ça. Il y a un fils spirituel, il fait sa délivrance. C'est lui qui a acheté, il a acheté ma voiture, la Bouna, ou ça, il travaille en affaire d'argent. Vous savez qu'il a fait d'argent, on mange un peu. Vous pouvez dire, on est avant dans la bouche, il fait arachide. Il fait arachide. Il met un peu de shit, il met. On est singe. Ça remplit les deux. Donc le grilleur a mangé arachide. Ah, vous savez que les gens qui ont de l'argent, les petites traces, là, ils connaissent. Ils ont guetté. On dit, ah, arachide, on est en main beaucoup. Tu n'as pas jeté chez nous. Bon, c'est parti partout. On dit, matin, tu as réuni à tous les DG, tout le monde. On te prend, c'est quand on te montre. Tout le monde l'a appelé. On dit, ah, viens, il n'y a pas de traces ici, c'est l'entrée où. Mm. Il veut parler, on dit, quoi? Tu veux jouer à nous? On a fait formation plus que toi. Il tremble. Or, moi, il a mangé son argent. C'est pas moi qui ai dit d'aller voler. Je précise très bien. Mm. Je ne lui ai pas dit d'aller voler. Mm. Amen. Amen. Mais comme il est en difficulté, il dit ok, que lui tremble, il sait qu'ils vont le renvoyer. Avant, tu sais qu'il a fait comment? Il s'est confessé un peu. Mm. Ça aussi. Sa petite confession, il s'est confessé. Il dit bon, il ne faut pas voler les gens, pardon. Mm. Mais comme tu es dans le problème, moi, il régler ça. Mm. Il dit cherche-moi le nom de tous ceux qui t'ont appelé. Il m'a envoyé ça, c'est testo. Il m'a rappelé, il dit dors. Toi, dors tranquillement. Moi, je te fais le travail. Si un patron est venu me mater, il a levé le toit et t'a menacé. Moi, là, je suis faux prophète. Aïe, je connais ce qu'on appelle attaché. Attaché, attaché, attaché. Ah, gâché! Il est devenu victime. Vous l'avez volé, il est devenu victime. Toi, tu vas te lever, tu dis non. Tu vas venir parler à quelqu'un qui me donne pour avancer l'œuvre de Dieu, même s'il a volé. Moi, il fait prendre la haine là pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Comme il s'est confessé, je suis entré dans le secret. J'ai commencé à parler au cœur à 1h du matin. J'ai commencé à parler. Je dis, toi, stop!
ce qui est dans ton cœur, détruis Yannis. Torche, stop. J'attache toutes tes bouclées. Il tremble. Il dit, on va au travail. Bater, effectivement, on a convoqué une réunion. Et les gens disent, tu sais, c'est dit, on va finir ça. C'est pour nous de commencer. Il dit, je ne crois pas. J'ai attendu une semaine, qui n'y a pas eu de menace. Parce que les gens ont mis devant les choses, vous dites, voici ça. Ils ont vu clair. Je sais pas, sur moi, 6 personnes. Ils ont vu clair dans son mouvement. Il a attendu, quand il a fini, zéro, il a envoyé 2 millions et mis dans la poche. Aïe, je sais ce qu'on appelle attaché. C'est ça le diable utilise. Il dit faut envoyer fil rouge, fil noir, fil blanc. Comment ça s'appelle? Dans la nuit là. Yao. Yao. Vous ne savez pas ce qui est en vous. C'est trop puissant. Pourtant, gardez vos sérénités. Quand la tempête s'est levée, Jésus était serein, il dormait. Quand il s'est levé, la menace, la tempête. Stop. Il y a quelque chose de très fort en vous. Moi, je connais l'espace, le temps. J'ai affaire à moi. J'ai un problème. Amen. Amen. Il y a quelque chose de très fort en vous. C'est puissant. C'est parce que vous n'avez pas utilisé ce pouvoir. Il y a ça aussi. Quand vous ne savez pas utiliser le pouvoir, vous ne pouvez pas l'utiliser le pouvoir. Vous avez quelque chose de fort en vous. Amen. Amen. Quand vous êtes légalement marié à quelqu'un, vous pouvez l'avoir facilement. Amen. Amen. Vous me regardez là. Les gens commencent à dresser les oreilles. Ça devient intéressant. Quel est le secret? Dans le monsieur des voyous, quel est le secret? Ça devient intéressant. Il y a des voyous. Vous savez pas que quand vous mariez, c'est une alliance. C'est une alliance. Devant Dieu, les hommes. L'alliance. Et si sur la base de cette alliance, c'est très fort. Si vous maîtrisez le secret, vous faites tomber, vous pouvez faire tomber même l'homme. C'est pour ça que ce n'est pas n'importe qui, on ne se lie pas n'importe quelle personne. C'est très terrible, c'est une alliance. Il te lie à une femme. C'est très terrible. Il y a une dame qui avait un problème avec son mari. Le mari l'a laissé. Hein? Elle a abandonné carrément la maison. Et puis elle allait ailleurs. Nous, on appelle ça maîtresse. Deuxième bureau. C'est là-bas, il signe tous les dossiers. En Côte d'Ivoire, on appelle deuxième bureau. C'est là-bas, il donne l'argent, tout ça. Amen. Amen. Le problème, c'est quoi? C'est, je vous donne un autre conseil, pasteur. Mon mari, là, il ne maltraitait pas. Vous avez compris? C'est-à-dire, le monsieur, quand vous voyez un monsieur, là, il devient votre bébé. Donc, non, l'homme, tu vas pour le faire. Non, Dieu n'a pas qu'écrit le voyou. L'homme, vous voyez, il n'a qu'à être fort, comment? C'est la femme qui le maîtrise. Je vous dis, quel que soit l'onction que tu as, tu es président. C'est une femme qui va te maîtriser. La vérité. Donc, il y a quelque chose en vous qui est fort. Mais vous ne savez pas utiliser ça. Amen. Tu dois te poser la question, pourquoi mon mari me laisse? C'est la même chose là que j'ai. Il me laisse. Il va chez la petite là. C'est qui la petite là monte à ton mari? Le vieux là, la rivière par mérite, tu le vois à Mossi Courantin, là où il va tirer sa petite culotte. Il donne un studio. Ah, tonton, viens ici. Va. Le vieux lave la voiture. La petite. Vous savez que les gens, les petites qui volent, elles prennent soin des gens. Elle appelle bébé. Oh, l'homme, il aime bien ça. Bébé. Elle le fait des manicures, des pédicures. Elle regarde les ongles, elle coupe les ongles. Oh, il y a des choses. L'homme aime bien. Beaucoup d'intention à l'égard de votre mari. Amen. 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 Vous voyez les ongles des hommes là, c'est comme pour cabri. C'est dur. Ça peut déchirer de la branche. C'est l'âme. Tu comprends que cabri. Oh, il faut de temps en temps prendre. Chaque semaine, de tout couper. Tout ça c'est important. Le monsieur, c'est pas bien rasé. Il faut le dire, je n'ai pas bien rasé. Amen. Amen. Oh, il y a des gens, les chocotos là. C'est comme pour les Bella. Pour essayer les Bella.
Blanc, ça devient chocolat. Ça devient chocolat. Il n'a pas. Il y a des gens, eux, ils ont fait alliance avec Cabri. C'est là matin. Il sort, il n'y a plus dedans. C'est-à-dire, il faut parler. Lui n'est pas dans la vie la nuit. Il dort pro. Et quand c'est comme ça, tu as date en dette quand tu es FSI 3. Lui n'est pas sur toi. Un homme doit être prompt, c'est important. Tu sens que j'ai qu'à date, on est trinité. J'ai FSI. C'est vrai, quoi. Amen. Amen. Donc, quand vous voyez un mari, votre mari, vérifiez tout ça. La chocotou, là, ouais, c'est 500. Vous savez quoi ça? C'est 500. Amen. Amen. 3500 francs. Mm. Il a un chocouto chaque jour. Mm. C'est tout. Amen. Ce que vous voyez là, c'est 500. Or, il y a tout ça que vous devez regarder. La femme doit éduquer l'homme. Vous savez pas ça? Quand une femme absente dans une maison, mais c'est un vide. Quel que soit l'onction, c'est un vide dans la maison. Ça, je vous assure. Quel que soit qui, tu n'as pas une femme, et tu n'es pas équilibré, tu es déséquilibré. Amen. Amen. Donc, si vous n'avez pas trop d'intention à l'égard de votre mari, vous allez le perdre. Là où on lui dit bébé, chérie, mignon, c'est là où ça on est chat. On est chat, mignon. Laisse envoyer les voyous. Si la bande est chère, ça va. Oh, Zadi. 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 Je suis dans la nourriture sur la table. C'est bon, tata. C'est bon. Je suis ta maman. C'est bon, tata, pour manger. C'est bon, tu n'as pas faim. Tu n'as pas faim. Ouais. Tu as plus Zadi là. Zadi. Amen. Amen. Or, quand le monsieur vient, il vient d'arriver, pour commencer déjà à voir. Vous savez, l'homme, il marche avec capillature dans la tête. Il a trop de problèmes. Quand il vient, l'accueil à la porte, ça doit être quelque chose de très important. Or, c'est là, tout par là commence. Ou dans le lit. Il y a deux endroits. C'est à la porte. Dès qu'il arrive, accueille-le avec un sourire. Ton parfum, ça a changé. Hein? Tu es chien ou bien comment? Et les femmes, elles sont terribles. Hein? Elles sentent l'odeur du monsieur quand ils s'en vont. Au portail, elle sait qu'il y a deux parfums. Il y a des gens qui ont le flair. C'est comme les chiens policiers. Et les femmes comme ça. Et puis, ce qu'elle dit, c'est pas vous. Hein? Malheur pour toi, t'as donné un bisou, monsieur. Ça pourra faire les yeux de toi. C'est fini. Or, tu t'en fiches. Si le monsieur est devenu ce qu'il te considère, est-ce que vous ne savez pas? Amen. Est-ce que vous ne savez pas? Si le devenu est que tu considères, donc toi, il faut commencer à le prendre au sérieux. À commencer à prendre, à enlever ses chaussures. Amen. Amen. C'est ça le problème. On le maltraite. Enfin, les gens, on le maltraite. Et vous, fait quoi? On ne connaît pas le problème de mari. Vous enlevez sa chaussure. Vous lui demandez tout ça. Est-ce que tu es lavé? Chou. Oh, vous n'aimez pas ça. Zadi. Tu as pris son nom du bœuf. Les petits trucs comme ça, ça pèse l'homme. L'homme sait qu'il est chez lui. Il n'est pas aux eaux. C'est ça aussi. Bah, le monsieur a peur parce qu'il va aux eaux. J'ai peur d'aller aux eaux. C'est qu'ils vont me manger à la maison. Or, il y a des gens, ils se soupent pas là à la maison. Bah, ils savent que là-bas, il n'y a pas là. Nous, en français, non, nous, ils vont aller à Niaga. On ne lui fait pas là. Or, quand il y a la paix dans la maison, c'est fini. Amen. Amen. C'est bien ça. Il faut les chercher. Or, le diable va vouloir, il va vouloir déstabiliser la maison. Quand vous voyez votre homme venir, ne jouez pas avec ça.
faut commencer à le prendre au sérieux depuis la porte. Commencez. C'est vous-même qui échouez. Après de gros cœur. Gros cœur. Parlez mal. Désarmez-vous. Enlevez armes chimiques, poudrières, tout ça dans vos bouches. Et les femmes, quand tu vois, tu disais, ça c'est poudrière russe. Il y a toutes sortes d'âmes dans leur bouche. Dieu a donné le pouvoir de l'éducation à la femme. Et ça pourrait être ça. Qui éduque l'enfant? L'enfant. La femme. C'est la femme. Ce pouvoir, c'est entre la main de la femme. Le monsieur, pour l'appeler bébé, tu peux l'éduquer. Amen. Amen. Ça dépend. Ça dépend de comment tu le vois. La vision que tu donnes de ton mari, tu peux changer l'aspect de ton mari. Un voyou, quand il rencontre une bonne femme, il change. Je vous assure. Un voyou, il rencontre une bonne femme qui l'aime bien et change. Ça lui donne la possibilité de changer, il change. Vous pouvez changer votre mari. Amen. Amen. Vous rencontrez un monsieur, vous le maltraitez, parlez mal, tout ça, il vient, tout ça. Et elle est choquée. L'homme n'aime pas entendre. Toi, faut être dans sur le terrain de la douceur. C'est vrai que ce n'est pas de la dictature comme une femme, mais la douceur. La douceur. La femme est faite pour ça. Sinon, on est fait pour la femme, elle est faite pour la douceur. On retourne ça dans la femme. Quelle que soit ta raison, il faut aller doucement. Amen. Amen. Quel que soit. Pour qu'on dise la nuit, pas le conseil. Amen. 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 C'est la femme qui donne conseil à l'homme. Vous m'avez compris? Amen. Pour dire la nuit, c'est pas le Seigneur qui vient de parler à l'oreille, c'est la femme. Il y a une manière de parler à l'homme. Non, j'ai parlé à mon mari, il m'a giflé. Il dit, mais comment tu l'as parlé? Tu as dit quoi, tu t'as giflé? Si tu commences à l'insulter, ses oreilles. Toi, nous, on ne dit pas, tu ne comprends pas, dans la tête, là. Amen. Avec diplomatie, tu le maîtrises, il te compte. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir, il y a des heures. Quand tu es avec un homme, il faut l'étudier. Vous savez, l'homme que vous voyez là, il y a des heures de lucidité. Moi, il connaît mon tempérament, je connais tout. Je sais à quel moment je suis lucide. Parce que dans la journée, il y a des heures de lucidité. Où tu travailles, quand à une certaine heure, tu ne peux plus travailler. Tu sens que tu peux plus donner un bon rendement. C'est comme ça dans la vie d'un homme. Or, il y a des heures comme ça où l'homme n'a plus envie d'écouter ce que tu es en train de dire. Quand tu lui dis ça, l'énerve. Tu persistes, c'est pas là. Or, quand tu commences, puis il commence à ne plus accepter, il faut arrêter le terrain. Oh, c'est là que tu veux parler au gars. Faut m'écouter. Français, écoute-moi. Toi, t'es comment même? Pas de parler, écoute-moi. Le gars s'élève. Tu le poursuis. Aujourd'hui, là, tu vas voir. Tu n'as pas été pas les gens. Tu le suis. Qu'est-ce que tu cherches? Toi, dans son parti. Amen. Amen. Pour ça, c'est important. Tu vois les sons de non, Seigneur, je veux me marier. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu es marié. Tu es prête. Tu sais ce qu'on a marié? La chose la plus difficile. Vous voyez ça facilement. Non, c'est pas embrasser. Très difficile. C'est difficile. Ouais. Vous voyez embrasser mon chéri. Ah! C'est le bon mariage. Il y a tout ça. Apprendre à connaître la femme, c'est vice versa. Hein? L'homme aussi doit connaître sa femme. C'est ça. L'homme aussi doit connaître sa femme. Et respecter sa femme. Amen. Amen. À un certain moment, il y a des choses que tu ne dois pas dire à ta femme devant les gens. Amen. Non. Il faut la respecter. Quand ça commence à intégrer, amène-la dans la chambre. Si tu as envie de dire des choses, pas devant les enfants, ni devant les gens, dans la chambre, pour discuter avec. Si c'est ta femme, dans la chambre. La chambre, c'est quelque chose de très sacré. Tout se règle là-bas. Si tu vois que ça commence à ne pas trop aller, vous savez, la Bible, c'est celui qui est plus grand, qui soit qui fait le plus petit, n'est-ce pas? Quand tu commences à parler, sois le plus petit. Commence à t'apaiser, peut-être tu sors. Et il y a une manière de gagner le cœur de ta femme. Les femmes, vous voyez, les femmes, elles aiment bien les présents. Les petits cadeaux. Elles aiment bien ça. Amen. Amen. Elles aiment bien ça. Chaque semaine, vous devez faire les petits présents à votre femme.
les petites sorties avec votre femme. Si tu es rentré sur le terrain, elle bavarde beaucoup, tu dis rien. Tu organises une petite sortie. Madame, allons-y, peut-être manger. Bonjour, la jeune femme. Elle va marcher, Dagina, Vincent. Elle est bien sortie. Donc quand tu vas la faire sortir, là, celle-là sera contente. Allons, Charma. Charma. Elle sera contente. Mon mari m'a envoyé Charma. Tu causes avec elle. Ça va passer. Vous avez compris? Amen. 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 Charma, vous t'amènes les petites là. Faut les aider. Faut envoyer vous là-haut. Les gens sont trop, ils sont tous ingrats, méchants, sorciers. C'est les petites à vous faire dépenser. Est-ce que vous êtes prêts pour tout? Au glacier, Charma. Oh, aux oies à la maison, elle m'a Dagina. Dagina. Ça dit maïs sec. Pour 100 francs, c'est quoi? C'est 3 non, mais c'est. C'est très cher, mais non, machin. Sec, sec. Oh, la petite, elle te mange pour le rôti. Tu mets un verre à soupe, tu bois avec. Amen. La peau. La peau. Petit riz sec, un piment d'Agina. Elle doit prendre le doigt. C'est ce qu'elle a fait. Elle est fond quand elle dort, mais tu sais qu'elle a fait. Elle a fait. Tu sais qu'elle a fait. Amen. C'est tout injuste. Comment tu peux marier une femme? Et vous voulez que Dieu vous bénisse. Et puis tu vas investir dehors. Lui, tu es content, tu vis à la maison. Il n'est rien. Ah, sorcier. Amen. C'est trop juste. Tu es une femme, tu la prends tranquille, tu t'occupes d'elle. Tu fais sa tolérie, sa peinture, ce que tu veux. Fais sa sienne. C'est tout. Amen. Amen. C'est vice versa. Hein. De toute façon, monsieur doit changer la femme, doit changer le dessous de ça, de ça, de ça, de son mari. Toi, tu dois changer. Amen. Amen. Oui, il y a des choses qu'on doit vous enseigner. Il y a des choses que vous ne savez pas, mais ça détruit le foyer. Amen. Amen. Le monsieur dit n'aime pas, il faut changer. Amen. Ou bien, amen. Non, il ne veut pas. C'est comme ça chez nous, on fait. Chez vous, on fait ça. Dégage. Va chez toi, va chez toi. Il y a une fille qui dit non, elle non, elle a grandi, elle porte conduire. Non, elle change pas. Ah, moi, je vous enseigne beaucoup de choses. Oui, je vous enseigne. Mais ça fait marrer par là. Oh, il dit tout. C'est charmant ou bien? C'est la même chose. Le monsieur venait me voir, il dit lui, vraiment, il est infidèle. Excusez-moi, je vous donne les conseils. Mais il aime les strings. Amen. Excusez-moi, je vous donne les conseils. Que lui, si sa femme